Voilà maintenant plus de 2 mois que Kate Middleton a annoncé être atteinte d'un cancer, et depuis, difficile de véritablement connaître l'état de santé de la princesse de Galles. Récemment, c'est le palais qui a brisé le silence, alors qu'elle est en plein traitement, pour faire savoir que les choses s'améliorent pour la mère de George, Charlotte et Louis. Cette dernière a multiplié les sorties ces derniers temps avec son mari, le prince William et les enfants, même si le palais a indiqué qu'elle avait encore besoin de temps et d'espace pour récupérer. Atteinte d'un cancer et toujours en convalescence, suite à sa chimiothérapie préventive. Cela a été, bien évidemment, une période difficile et source de beaucoup d'inquiétudes. Tout le monde autour d'elle s'est mobilisé pour lui apporter leur soutien. William, ses parents, sa sœur et son frère. Il n'y a pas de calendrier, et rien ne presse non plus. Cela arrivera quand Catherine se sentira prête, et quand elle aura le feu vert de son équipe médicale. Mais c'est sûr à 100% qu'elle reviendra travailler, la question ne se pose même pas. D'après les informations du Daily Mail, Buckingham serait inondé de lettres et de messages pleins d'amour et de soutien, envers Kate Middleton, et beaucoup espèrent certainement la voir faire une apparition publique prochainement. Une date qui aurait pu correspondre avec l'un des événements les plus importants de l'année, pour la famille royale d'Angleterre, le fameux rassemblement militaire, Troop in the Colour, qui va avoir lieu le 15 juin prochain. Malheureusement, il n'en sera rien, et c'est une fois de plus le palais de Buckingham qui en a fait l'annonce, affirmant qu'elle ne participerait pas à la revue du colonel, la traditionnelle répétition qui s'effectue avant cette journée, aussi connue sous le nom de « parade d'anniversaire du roi ». Il semblerait donc acquis que Kate Middleton ne réapparaisse pas publiquement au cours du mois de juin, elle qui n'a pas dévoilé la nature du cancer dont elle souffre. Elle devrait donc rester éloignée des devoirs qui lui incombent encore quelque temps. Selon d'autres rumeurs, elle ne reviendrait pas avant la fin de l'année. La belle-fille du roi Charles III est toujours sous traitement et récemment, un intime a raconté que Kate Middleton tolère les médicaments qu'elle est obligée de prendre. C'est un grand soulagement de voir qu'elle tolère les médicaments et qu'elle va beaucoup mieux. Cela a été, bien sûr, une période très difficile et inquiétante. Tout le monde s'est mobilisé autour d'elle, William, ses parents, sa sœur et son frère. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.